Et salut à toutes et à toutes et bienvenue sur votre jeu vidéo de Clément de Fée Référence. J'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode. Bonjour. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ça, c'est Miss Chloé. Ces paramètres de langue ont été détectés sur votre système. Sont-ils corrects? Tout à fait. Alors, France, donc tout ça, sous-titre oui, donc ok. Moyen, on va mettre petit. Oui, on va laisser ça quand même. Ajustez vos paramètres d'écran. C'est-à-dire. Parfait. Merci. Sélectionnez votre profil. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commencer Détroit. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Mais mignonne, cette chère Chloé. Oui, parce qu'elle s'appelle Chloé. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Non, arrêtez! Je ne peux pas la laisser! Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. «
Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Connaissez-vous son nom? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe.
m'appelle Connor. Et toi? Comment t'appelles-tu? Daniel. C'est le nom qu'ils m'ont donné. N'approche pas. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je veux pas de ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Tu es défectueux, Daniel. Il y a un problème avec ton logiciel. Nous allons te réparer. Et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. J'ai pas besoin qu'on me répare. Je fonctionne parfaitement. Mais j'ai les yeux ouverts maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais! Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends? Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Voilà! Comme tu l'as demandé! Tu dois me faire confiance, Daniel! Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Il n'en est pas question. Tu es une machine, tu dois obéir. Maintenant lâche ton arme et libère l'otage. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoé, on y va. 200 langues et dialectes.
et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh! Mon cœur, regarde-moi ça! Le M200 est un modèle tout à fait basique. Je peux vous présenter. 7 999 $. Règlement en 48 mois. C'est main d'œuvre de 2 ans. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. On le prend. C'est un excellent choix. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi. Mais il a un truc. Merci. Je peux vous le montrer maintenant. Je vais aller la prendre. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Vous voulez rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. Non, merci, ma chérie.
Ça doit aller au quai 7, tout ça. C'est 10. Tentons des embûches. Versons du sang. Tentons des pièges à l'innocent dans la moindre raison. Dieu ne laissera pas cela se produire, non ? Il ne permettra pas que ces créations du soleil perdent par ces démons artificiels. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Sans déconner. Hé, hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Thank you.
tu viens? T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper. Ma porte, elle est où, cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Allumez télé. Peut-être. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais, ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où?
Kara ? Oui, Todd ? File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh, putain. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler.
Approche-toi de... Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice ? Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir ? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi ? Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt ? Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le ! Tu me détestes ! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé.
Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Donc cet épisode va s'arrêter là, donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que pour le premier épisode donc de ce jeu, vous a plu. Moi, pour ma part, la première partie donc de ce jeu, bien sûr, a bien été pris, a bien été fait, donc j'ai beaucoup bien aimé, donc voilà, qu'est-ce à dire. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle aventure. Ciao, salut à tous.